Putain, en plus tu l'entends arriver, hein, mais non. Oh non. Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 14 de notre... Tu te calmes direct, tu me refais pas comme la dernière fois. Épisode 14 de notre SP sur The Evil Within, j'espère que vous allez bien notre petit SP horrifique. On se retrouve donc après l'épisode 13, après vous avoir laissé sur un peu les apparitions de Ruvik et de quoi planter notre cerveau, enfin quelque chose dans le cerveau et tout et tout. Donc, j'ai en revisitant, vous savez à la fin de l'épisode précédent, en revisitant j'ai découvert une peinture qui m'a rendu un peu perplexe au début, puis je me suis dit, en fait bah, c'est logique. J'ai juste capté, enfin j'ai capté que en fait on se trouvait dans le manoir de Ruvik et que lui c'était Ruvik, son père, le gardien, sa mère qu'on n'a toujours pas rencontrée et sa sœur qui était en effet par ses beaux cheveux longs et noirs et sa robe rouge sang, Spider-Woman, la seule et l'unique. Excuse-moi, je me recadre, voilà. La seule et l'unique. Du coup, voilà. Et enfin, ça m'a fait tilt d'un coup. Du coup, je vous rappelle que dans le dernier épisode, on avait commencé à se diriger par là. Et aussi, je me suis permis d'améliorer plutôt le fusil à pompe. Parce que en rouvrant la boîte, bah, j'ai eu des balles de fusil à pompe. Du coup, c'était pas ouf. Note de la salle à manger du manoir. Oh! J'ai enfin réussi à trouver l'accès, la porte menant à un nouveau monde. Les détails sont tous là. Ils ont toujours été là, sous mon nez. Je suis à la fois consterné et furieux de ne pas les avoir vus plus tôt. Le procédé permettant de briser la psyché humaine et de l'anéantir pour en prendre le contrôle est tellement évident. Et maintenant que je sais exactement comment m'y prendre, j'ai l'impression que c'est tout ce qui compte. Tout ce que je cherche est à ma portée. Tout ce que j'ai perdu, mais j'ai besoin de ressources. Jiménez, cet imbécile va enfin servir à quelque chose. Jiménez, le docteur Jiménez, que j'imagine qu'il a perdu sa famille, le petit Ruvik. Et que du coup, il s'est dit, bah, et en plus après avoir été brûlé, parce que hein, quand même c'est ses souvenirs qu'on a vus, il s'est dit, bah, je vais me venger, voilà, tout simplement. Je vais me venger du monde. Et ça devient de plus en plus glauque, hein, on va se le dire. Hop, alors eux, par contre, ouais, directement les tuer comme ça. Ça, je me ferai pas avoir. Hop, un en moins. Hop, eh bien, eh. Eh hey, ma biche. Biche, ma biche. Toi qui me souligne. Je me sentais beaucoup plus doué dans l'épisode précédent. C'est dingue, hein. Enfin, je sais pas vous. Non mais, non. Ok, donc là, ça commence à être fail S, merci. Voilà, tu me donnes ta hache direct. Ok, parfait, bon. Alors, je tourne cet épisode vraiment à la suite du précédent, là, je viens juste d'arrêter, et du coup, je recommence. Ok, hop, j'espère quand même que le dernier épisode vous aura plu pour le coup. Parce que moi, ça me prend toujours autant. Et là, surtout, ce nouveau flip qu'on a. Donc là, grande onde. Non, pas grande onde. Encore. Ah non, donc en fait, il apparaît comme ça, une fois sur 1000. Intéressant. Aïe. Aïe. Non, ça me fait des dégâts. Quand je le fais, ça me fait des dégâts. Ici? Mais. Attendez. Ah, mais en fait, il fait ça sur sa famille. F7. Attendez, donc là, faut regarder la carte du cerveau, je parie F7. F7. La zone F7. Non mais on n'apprend pas ça. Ah, F7, ok, celle en bas à gauche. Ok, c'est celle-là. Oh, c'est tellement glauque. C'est celle-là. Normalement, je me trompe pas. C'est ça. Oh, c'est horrible. Ah, oh, c'est tellement glauque. En fait, la première fois, j'avais vu un max de chance. Oh, c'est dingue. Non, c'est ça. Oh,
faites, vous là? Je ne vous ai pas invité. C'est Ruby quand il était gosse. Nous sommes deux hommes de science. Les hommes de science consacrent leur vie à la quête du savoir. Si tu me montres tes expériences, je t'en montrerai d'autres. Ça ne vous plairait pas. Vous seriez dégoûté. La science a parfois des aspects qui peuvent avoir l'air écœurants aux yeux des profs. J'ai fait bien des choses que d'autres trouveraient de mauvais goût. Je sais que vous me prenez pour un monstre. Tu accordes trop d'importance à ton apparence. Mais ton intellect, c'est tout ce qui importe. C'est vrai que t'es pas ouf niveau visage, hein. Mais bon. Enfin, oh mon dieu. Je reconnais Marcello. Et l'autre serait Ruvik. Oh mon dieu, c'est tellement glauque, les amis. Si vous saviez. Oh, là là. Enfin, et vous devez sûrement le savoir. Alors, on a. Ah! Tu sais, en plus, tu l'entends arriver, hein. Mais non. Non. Oh non. Il est où? Il est où cet enfoiré? Il est là. Je me casse. Je me tire. Hop, on va faire le tour comme ça. On va laisser un peu tourner. Ok. C'est le mec vénère en mode. T'es dans ma va. Putain! T'as plus jamais tu me fais ça, mon gars. Ok, voilà. Bon, en fait, faut le laisser un peu tourner. Je vais me faire son bruit que j'entends derrière moi. Ok. Donc tous les vases, hein, vous pouvez les casser. Donc là, vous voyez qu'il manque encore une dernière tête. Mais avec les rouages que j'ai eu, à quoi ils vont me servir? Ok. Dernière zone. Pas ultra accueillante du tout. Oh, cool. J'allais dire des cigarettes, mais non, des allumettes. Fumer tu pétez plus, hein, oubliez pas. Oh putain, il y a une dame là. T'es moche. Non mais je te jure, enfin, faut faire quelque chose, hein, vraiment. Bon bah, j'avais dit, hein. J'avais mis au courant. Qu'on me blâme pas après, hein, parce que ça va. D'un moment, faut pas déconner. Oh mon dieu. Alors par contre, si on meurt, j'ai remarqué qu'on reprenait, enfin, vous avez remarqué quand même qu'on reprenait très 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 loin. On va tenter de pas mourir. Mais du coup, je pense savoir pourquoi il y a autant d'endroits pour se cacher. C'est pour en fait se cacher de Ruvik. Oh, mon dieu, mais ces bruits de ghost. Oh. Ah, mais je sais pas. Je sais pas de qui vient ces bruits. D'une mère, d'un enfant, d'une. De la soeur de Ruvik, j'en sais rien. Mais c'est glauque, mais c'est dingue glauque. Oh, moi, le seul truc que je supporte pas, c'est qu'on touche aux animaux et aux enfants. Et donc j'imagine comme la plupart du monde, mais après le reste, bon. Ah regardez, c'est le... Ok, donc on avait besoin des deux rouages pour ça. Et là j'imagine que ça va nous donner le code. Deux mondes séparés par un abîme irrégulier, au-dessus des... Attends, note de la salle de musique du manoir. Au-dessus des spectateurs anonymes, rien de la tragédie. Rien de la tragédie. En dessous des victimes impuissantes qui perdent tout. Hop là. Ok, donc là je connais pas le code. Très bien. On ne connaît pas le code. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait rien. Tu restes bloqué là. Si. Mais attendez. C'était pas inscrit sur les peintures? Ah si. Hop, hop, ça, on fait ça comme ça, parce que voilà. Ah si, merde, je suis con. Ok, bon, ben, je vais checker ça, hein, dans mon petit ellipse. Ok, donc là, en fait, on peut voir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et quelqu'un derrière moi. Attendez. 11, et sur l'autre photo, il y avait deux personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur l'autre photo, il y avait deux personnes. Il y a quelqu'un qui monte à l'échelle, normalement. Non, ok. Donc, 11 et 2. Alors, pourquoi ça me fait penser que c'est ça la réponse? Tout simplement, dans la note, il y avait marqué, il y a ceux qui rient d'en haut. Donc j'imagine que c'est cette peinture. Et ceux qui souffrent en bas. Donc vous avez vu peut-être quelqu'un vous savez hop là. Puis on l'a déstabilisé. Du coup ça me laisserait penser. Enfin quelqu'un dans la guillotine. Et quelqu'un d'autre qui la regarde. Du
coup, je peux supposer que... Hop, donc elle, j'avais pas tué à ce qui paraît. Du coup, je suppose que le code serait 11 et 2. Je déteste quand ça fait noir depuis 10 jours comme ça. Je sais pas pourquoi. Allez, hop, ouvre-toi. Ok, donc on va voir si mes suppositions sont bonnes. J'espère qu'elles sont bonnes parce que j'ai que ça, hein. Pour le coup. Alors attendez. Ouais, ça doit être ça, forcément. 15, 14, 13, 12, 11. Non, 11, merci. Et là, 2. Boom, bitch! On est les meilleurs. Oh, on gère tellement. Par contre, c'est très très glauque. C'est absolument très glauque. Oh là là, mais comment on est la gérance? Comment on est la gérance? Oh! Et parfait, le troisième système. Oh! Sujet numéro 14. Attendez. On va regarder les zones du cerveau. Ah merde, j'ai pas pu voir. Bon, tant pis. On va écouter d'abord la zone. Sujet numéro 14, test 88. C'est infâme. Préparation limbique, troisième essai. Placement d'électrode C4. Stimulation du gyrus cellulaire. C4, hein. La stimulation de l'axe d'espoir va avoir le contrôle sur la volonté du sujet. Donc C4. Le contrôle ne suffit pas. Ah mais le mec il cligne des yeux. Ah c'est infâme. Attendez. C4. Hop. Et c'est où ça? Ok. D'accord. G. C4, c'est ici. Sujet numéro 14, test 88C. Préparation limbique, troisième essai. C'est ça. Et le mec, il meurt, il décède. Ok, troisième porte déverrouillée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je crois que ça va pas être aussi simple de revenir. Reçu la contribution habituelle de ta famille cette année. Ça vous étonne? Regardez. Qu'est-ce que votre hôpital a fait pour mériter notre contribution? Ouais, il a vraiment été brûlé vif. Hein. Toujours montré très généreux envers nous. Où sont tes parents? Ils sont partis. Sais-tu quand ils doivent? Il les a tués. Les trois têtes. C'était son père, sa mère et sa sœur. Obligé. Il a fait des tests sur eux. Ah pardon, bon tant pis. On n'aura pas la fin du souvenir. Mais ok, donc ils veulent le subventionner. Ils veulent subventionner ses recherches à une seule condition. Qu'il aide à... Enfin qu'il soutienne l'hôpital quoi. Dans ses recherches aussi foireuses que... Oh mon dieu. Aussi foireuse que lui, quoi. Mais. Oh, là, là. Alors là, ça devient tellement intéressant. Là, on rentre au cœur de l'histoire, sur l'histoire de Ruvik cette fois-ci. Et maintenant, sur la boîte du jeu, vous voyez dans la tête d'un psychopathe. Non, je vois pourquoi. Parce que là, on est vraiment à la tête de Ruvik qui voulait faire des expériences sur la tête humaine. Enfin, sur le cerveau humain. Non, mais non. Incise tout du long. De toute façon, tu ne t'en remettras jamais. Retirer la peau intacte. Les pensées de l'eau. Oh, Ruvik. Oh, mais non. Oh, non, non. Là, là, ça sent le boss. Oh, non. Là, ça sent le boss à plein nez, par contre. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, mais non. Guys, pas ça. S'il vous plaît, moi, j'ai rien fait. J'ai pas signé pour ça. Enfin si un peu mais... Oh mon dieu, ça nous mène où ça? Ok. Mon dieu, on va se battre contre la mère, contre le père. Peut-être que le père on l'a déjà tué, c'est peut-être le gardien. La sœur, ça c'est sûr, c'était l'araignée. Parce que les cheveux longs comme ça... Oh my god. On va se battre contre Ruvik lui-même.
Ok, tous les souvenirs ont ressurvécu, enfin ont ressurgi. Ressurvécu, n'importe quoi, va parler français. On ressurgit. Et du coup, oh mon dieu, et du coup on a eu une bête énorme. What? Oh my god. Dans tous les cas, ça s'abaisse. Très bien. On se prend un fil, on est mort, c'est ça? Ok. À mode James Bond, les gars. C'est atroce. C'est atroce. Oh mon dieu. Ah oui, enfin, j'ai fait un rire de psychopathe, mais simplement parce que, voilà. Donc déjà, je contrôle pas mourir. De 1. Et juste que je suis ultra stressé de la mort qui tue. Ok. Ok, donc on va passer par où? Je pense que là où je passais au début, c'était la bonne idée. Puis après, c'est là où c'est parti en couille, du coup je parie qu'il fallait là. Ok. Ok, attention le dernier petit fil. Ok, parfait. Allez, go. On continue à avancer, on n'a pas peur. Oh non, pas les mannequins. Oh mon dieu! Oh mais c'est malsain! Oh mon dieu. Oh c'est tellement malsain! C'est pire que Until Dawn. Ok, donc là faut vraiment lui échapper. Donc là je parie que ça va faire. Oh putain, ça me rappelle la course du coffre trésor. Du coffre au trésor dans The Majora's Mask. Vous savez là avec la dame qui aime beaucoup les gourons, mais du style aïe. Du style beaucoup j'ai envie de faire des bébés avec toi. Mais non. Mon pied, merde. Juste j'avais pas vu par contre. Oh là là, oh j'ai pris tarif. On en parle que je vais mourir. Ou quoi? Enfin. Non. Ne me tue pas, s'il te plaît, tu n'as pas envie de faire ça. La 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 la. Non, yes. Hey. Quoi? Ah mais je comprends plus rien. Je suis complètement paumé, je suis désolé, mais... What the fuck, le mec il s'est pris pour le grand Manitou en mode... Je te possède et tout le monde. Et alors qu'est-ce qui se passe? Non mais what the fuck. Bon bien, fallait bien voir ce que ça faisait quand même la grande dure rouge. Ok, bon, je peux pas. Aïe, ok, bon ça tu te prends ça dans la gueule. Déjà tu te dis je suis pas bien. Mais d'accord, ok, donc j'avais pas toute ma vie déjà de base. Hop là, on prend la trousse de premier secours. Mais dommage parce que j'avais bien réussi à me soigner. Par contre le mec je crois qu'il one shot, c'est pour ça. Hop, on avance. Le gel vert on va un peu s'en foutre hein. Je suis désolé les amis si vous voulez vraiment pour tous les gels verts mais bon hein. Merci. Pas déconner non plus. Ah non mais non toi je t'avais esquivé par contre. Toi t'étais pas sur le chemin de base hein. Hop, on régénère. Parfait. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe mon grand? Putain, il a fait un malaise le mec, c'est incontrôlable. Ok, go. On continue, parfait. On a réussi. On continue, on court vers la lumière. Tout est de votre faute. Je suis mort. Vous n'avez pas capté. Et là. Attendez. Ah d'accord, en fait, je peux continuer à courir. C'est pour ça. Moi je crois que tu sais cinématique ça se déclenche et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck. Vas-y allez. Je prends mon jeu vert, je me casse moi. On a une note. Fragment de carte, bon parfait. Mais what? T'as dit what? The fuck?
Ah, ok, non, pardon, on pouvait continuer là. Désolé, complètement teubé. Le mec voit toutes, sauf la petite sortie là. Oh, trop beau. Venir ici. Ok, donc là on se trouve donc dans le champ de tournesol qu'on a vu dans les souvenirs de Rubik. Ah, par contre, j'ai un truc caché, hein. Bah, les gars. Okay, oh. Et franchement, j'adore ce décor. Ce petit truc paisible comme ça. Non, mais non, comme toi, je veux juste sa boîte là qui est à tes pieds là, ici. Voilà, merci. Ah, j'adore ce. Oh, j'adore ce coucher de soleil et tout, c'est super beau. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors. J'ai passé une excellente nuit, moi, je sens. Oula, oula, oula. Le jeu arrête. Arrête de s'égader, s'il te plaît. Désolé. Pour ce petit bâillement improvisé. Voilà. What? Je sais que tu es là. Je t'entends respirer. Salaud de riche. Ils croient pouvoir acheter toutes nos terres. Il faut qu'on leur montre qu'on va pas se laisser faire. Il y a des gamins là-dedans. Moi, j'ai rien entendu. Qu'est-ce que... Au secours! Ouvrez la porte! Ruben! Ruben! Tu dois grimper! Je reste ici. Ok, donc ils ont fait. Ouais, ils sont passés par cette fenêtre. Alors, les amis, tout est clair. Ah, oh, oui, entre guillemets. Attendez, par où on va. Par où on monte? Ah, là, ça c'est quoi? Ok, tout est clair. C'est pour ça que l'araignée là, elle détestait le feu parce que tout simplement c'était la sœur de Rubik. De son petit nom Ruben, hein. Attendez, je vais tirer sur un des trucs comme ça là. What? Ah, ok, d'accord, c'était la trousse de premier secours qui me faisait ça. Très bien. Donc, déjà, ça va m'annoncer. Et. Tu peux arrêter? Merci. Ok, et du coup, en fait, c'est pour ça que la sœur déteste le feu. Enfin, l'araignée, elle déteste le feu. Tout simplement, elle est morte par ça la première fois. Du coup, voilà, et. Vous êtes bien mignon, mais. Ah, ok. Ok. Oh, d'accord. Très bien, c'était le fail. Et du coup, elle est morte par ça. Donc, forcément. Forcément, ça va lui rappeler des mauvaises choses. Forcément, ça va lui rappeler des mauvaises choses. Je peux pas y grimper comme ça, non? Je suis obligé de faire ça, hein. Right. Juste pour qu'on soit sûr et certain. Hein. Ah, mais je peux pas passer par là-bas? Plutôt, peut-être qu'il peut faire. Non. Mais par où il faut passer, les amis? Avez-vous une simple idée de là où il faut passer? Et du coup, voilà. Enfin, et du coup, c'est comme ça qu'il est devenu comme ça, en fait, Rubik. Tout simplement parce que. Par contre, les enculés de villageois, c'est pas cool, hein. Enfin, les paysans, là.
Non, on peut pas. Oui, par contre, j'aimerais bien accéder, ça serait plutôt gentil. Ah, mais on peut faire quelque chose là. Oui, direct, c'est sûr que ça me semble un peu plus faisable, en effet. C'est vrai. J'avoue. Ok, d'accord. Bon. My bad. My bad, my bad. Mais... Oh, regardez. Elles ont repop. Parfait. Et ouais, du coup, voilà. Donc, c'est comme ça que Rubik a une gueule de déterré comme ça. Et pourquoi, surtout, on le voyait brûler dans ses souvenirs. Voilà pourquoi. Du coup, hop, on va s'échapper par cette fenêtre. Salut, Inch'Allah. Ça voulait dire non. Oh, t'es qui toi encore? Oula, j'aime pas trop beaucoup ça. J'aime vraiment pas beaucoup ça. Aïe, non mais arrête. Faut que j'accède là. Pas du tout. Je pensais faire un truc stylé. Aïe, 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 aïe. Alors, je sais pas combien de fois je suis mort dans cet épisode, je m'en excuse. Et fait comprendre strictement rien à ce qui se passe. On va s'atteler à tuer les petits mecs. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Lui attendant. Je pense que plus on en tuera, mieux ça sera. Ah, ce bruit, c'était le bruit d'un miroir. Peut-être pas en fait. Oula, toi t'avais une sale gueule. Ah mais, ah ok d'accord. En fait c'était le temps qui redonne vie à tout le monde en fait. D'accord. Je crois. Je suis absolument pas sûr. J'imagine. Je dis ça au pif hein, au cas où. Aïe, mais c'est, ah c'est vrai que je peux pas me coller contre les côtés. Ha. Par contre je sais pas où il est. Le... Ok, donc quand il disait que tout était de notre faute, c'était pour la mort de sa sœur. Mange un peu. Il faut que tu gardes tes forces. Mais donc la sœur est bel et bien morte. Je veux. Béatrice, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il y a, Béatrice? Oh, Béa! Oh, tu reviens, tu te calmes. What the fuck? Ok, donc en fait, il a fait tout ça pour revoir les souvenirs de sa sœur. De sa défunte sœur. Mais what the fuck, les amis, mais c'est... Oh, c'est dingue, ça vous fera encore un long épisode, je suis désolé. Ok. Ok, chapitre 9 terminé. Il était ouf. Ce chapitre était vraiment dingue. Ah mais j'ai adoré, du début jusqu'à la fin, c'était bien flippant, c'était bien dans le thème de ce qu'on voulait voir dans un jeu d'horreur. Oh, c'était dingue les amis, j'espère que ça vous aura plu pour le coup. Donc maintenant on sait pourquoi Rubik est dans cet état là. Et on commence à savoir le déroulement, le processus de pourquoi il en est arrivé là justement. Et waouh, les amis, c'est ouf. J'espère que ça vous aura plu cet épisode, franchement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à partager la vidéo au monde entier et à commenter. Racontez-moi votre vie dans les commentaires, moi ça me fait plaisir. Et en plus, je vous réponds et tout, c'est sympa, c'est cosy, c'est convivial. Puis voilà. Et puis, si le reste de mes vidéos vous plaît, pourquoi ne pas vous abonner, franchement, ça aussi, ça,
Ça la partagera en même temps, si jamais vous pouvez faire du bouche à oreille et tout, ce serait super sympa. Puis voilà, merci beaucoup vraiment d'avoir regardé jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, dans une prochaine aventure, dans un prochain play. Ciao tout le monde, c'était Italo, bye bye!